J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mis à votre disposition un logiciel magique de compression qui est complètement gratuit, sans frais à payer, qui vous permettra de pouvoir compresser vos vidéos. Le nom du logiciel s'appelle Endbreak. Elle est là, le logiciel en question. Avant de pouvoir laisser ce logiciel, je vous montre d'abord une vidéo que j'avais eu à pouvoir compresser. On pourrait la voir, la vidéo pèse ici 1,36 gigaoctets. Après la compression, la vidéo pèse maintenant en 161 mégaoctets, sans pourtant perdre notre qualité. Et vous allez voir. Gouverneur, avant aucun n'aura pas avec un sous-marin de sauvetage. Monsieur, nous en avons un. Non, amiral. Et après la compression, nous avons ça. Oui, ça garde toujours la qualité. Ça peut être par notre qualité. Surveillez votre écran. Commandant, capitaine, maintenez les gardes. C'est vraiment magique. Et en plus, elle est vraiment gratuite. Premièrement, nous lançons notre logiciel. Nous téléchargeons, nous pouvons le télécharger à partir de Google. Mais à part ça, aussi, je mettrai pour vous les liens en dessous de la description de la vidéo pour pouvoir les télécharger. Le logiciel est là. On va prendre notre fichier. On va l'avoir prise. On l'ouvre. Hein. Vous voyez ici quelques informations de notre fichier, là MP4 format, piste, filtre, la taille. Nous, ce qui nous concerne, nous prenons directement la place où on a écrit vidéo. Voyons par ici. La qualité constate. Puis on augmente, puis la qualité augmente. Quand la qualité augmente, et ça va encore beaucoup plus, puis si on diminue, on va totalement perdre notre qualité. Nous, ce qui nous concerne, on viendra ici, là on écrit un réglage de l'encodeur, on mettra non et puis profil de l'encodeur, on mettra soit hide ou soit main et puis donc c'est tout. Nous appuyons à parcourir pour changer les lieux où nous voudrions stocker notre fichier après la conversion. Chez moi j'ai déjà un dossier où j'ai mis mes vidéos et pour nous allons directement appuyer là on écrit démarrer l'encodage. Vous voyez que ça commence déjà à compresser notre vidéo. Si vous avez une carte vidéo, une carte qui vous permettra à ce que la vidéo puisse, la compression puisse se faire encore plus rapidement. Étant que YouTube, des fois, nous avons des difficultés à mettre des vidéos qui prennent plus de gigas. Et puis, quand on essaie de mettre ça, ça nous prend plus de temps. Le temps, c'est de l'argent. Et vu que la vidéo pèse tellement, ça nous prend plus de temps de pouvoir les mettre sur nos comptes YouTube. Et le sujet, vous aurez vraiment la facilité de poster vos vidéos en moins de 10 ou de 5 minutes. Okay. Comme vous pouvez le voir, la compression est totalement terminée. Ouais, on a même écrit ici. C'est complètement terminé. Nous pouvons nous diriger dans nos fichiers. Et pour voir, là, nous avons la vidéo originale. Et puis, la vidéo après la compression qui pèse à 161 mégaoctets. Comme je vous avais déjà montré, vous allez voir que vous n'allez pas perdre votre qualité. La qualité sera bonne. C'est ce qui est vraiment magique avec ça. Vous voyez, la qualité est vraiment bonne. Une course de savonnement dans l'Arctique, Charles. C'est une prise de mais qui pèse moins par rapport à ça.
qu'il y a à Force Green. C'est pas moi, c'est Game Graphic. Donc, dans ce cas, j'ai le plan en deux parties. Vous irez dans. Donc, nous avons fini. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos. A plus!
J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mis à votre disposition un logiciel magique de compression qui est complètement gratuit, sans frais à payer, qui vous permettra de pouvoir compresser vos vidéos. Le nom du logiciel s'appelle Endbreak. Elle est là, le logiciel en question. Avant de pouvoir laisser ce logiciel, je vous montre d'abord une vidéo que j'avais eu à pouvoir compresser. On pourrait la voir, la vidéo pèse ici 1,36 gigaoctets. Après la compression, la vidéo pèse maintenant en 161 mégaoctets, sans pourtant perdre notre qualité. Et vous allez voir. Nous n'avons aucun rapport avec un sous-marin de sauvetage. Monsieur, nous en avons un. Non, on est. Et après la compression, nous avons ça. Oui, ça garde toujours la qualité. Ça peut être par notre qualité. Surveillez votre écran. Commandant, capitaine, maintenez les gardes. C'est vraiment magique. Et en plus, elle est vraiment gratuite. Premièrement, nous lançons notre logiciel. Nous téléchargeons, nous pouvons le télécharger à partir de Google. Mais à part ça, je mettrai pour vous les liens en dessous de la description de la vidéo pour pouvoir les télécharger. Le logiciel est là. On va prendre notre fichier. On va l'avoir prise. On l'ouvre. Hein. Vous voyez ici quelques informations de notre fichier, là MP4 format, piste, filtre, la taille. Nous, ce qui nous concerne, nous portons directement la place où on est écrit vidéo. Voyons par ici. La qualité constate. Piste, on augmente. Piste, la qualité augmente. Quand la qualité augmente, et ça va encore beaucoup plus. Piste, si on diminue, on va totalement perdre notre qualité. Nous, ce qui nous concerne, on viendra ici, là on écrit un. Réglage de l'encodeur, on mettra non et puis profil de l'encodeur, on mettra soit hide ou soit main et puis donc c'est tout. Nous appuyons à parcourir pour changer les lieux où nous voudrions stocker notre fichier après la conversion. Chez moi j'ai déjà un dossier où j'ai mis mes vidéos et pour nous allons directement appuyer là on écrit démarrer l'encodage. Vous voyez que ça commence déjà à compresser notre vidéo. Si vous avez une carte vidéo, une carte qui vous permettra à ce que la vidéo puisse, la compression puisse se faire encore plus rapidement. Moi je n'ai pas, ça va un peu traîner moi. Après ça, la vidéo sera très bien compressée et ne va même pas perdre la qualité. Et ce qui est vraiment magique avec ce logiciel. L'autre logiciel, c'est des logiciels payants. Ça, vraiment, elle est vraiment totalement gratuite. Et tant que YouTubeur, des fois, nous avons des difficultés à mettre des vidéos qui prennent plus de gigas. Et puis quand on essaie de mettre ça, ça nous prend plus de temps et on perd de l'argent. Quand une vidéo pèse tellement, ça nous prend plus de temps de pouvoir les mettre sur nos comptes YouTube ou d'autres comptes que ce soit. Mais à travers ce logiciel, vous aurez vraiment la facilité de poster vos vidéos en moins de 10 ou de 5 minutes. La compression que je suis en train de se faire. Ok, comme vous pouvez le voir, la compression est totalement terminée. Ouais, on a même écrit ici. C'est complètement terminé. Nous pouvons nous diriger dans nos fichiers. Et pour voir là, nous avons la vidéo originale. Et puis, la vidéo après la compression qui pèse à 161 mégaoctets. Comme je vous avais déjà montré, vous allez voir que vous n'allez pas perdre votre qualité.
La qualité c'est vraiment bon, c'est ce qui est vraiment magique avec ça, vous voyez, la qualité elle est vraiment bonne. Une course aux armements dans l'Arctique, Charles, c'est une prise de mais qui pèse moins par rapport à ça. Est-ce qu'il y a à Force Green? C'est vraiment ce qui est magique avec ce logiciel. Donc nous avons fini. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos. À plus.